Comment rajouter des effets à votre montage C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Normalement, votre montage est presque terminé, vous auriez déjà pu le rendre, mais comme on peut rajouter des effets vidéo dans ce logiciel, et eh bien je vais vous montrer comment faire. Alors qu'allons-nous voir ici Eh bien, nous allons voir trois choses que vous pouvez faire directement au sein de votre montage. Vous avez la possibilité lorsque vous allez sélectionner une vidéo ou lorsque vous allez sélectionner une photo, eh bien, de rajouter du mouvement, des effets 3D et des filtres. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons commencer par les mouvements ici, euh, qui vont vous permettre d'ajouter un effet de mouvement, comme son nom l'indique, qui va vous permettre, en fonction de ce que vous avez choisi ici, et eh bien d'avoir différents résultats. Par exemple, si je choisis ici euh, zoom arrière centre en sélectionnant ici, eh bien je vais avoir la possibilité, en cliquant sur le bouton lecture ici, de voir à quoi ça ressemble. Alors malheureusement, il n'y a pas possibilité de faire des réglages importants. C'est-à-dire que là, vous voyez, le zoom s'effectue. Hein, on a, c'est très très léger. Vous n'avez pas la possibilité de, de choisir la façon dont ça va aller, la vitesse, les, les la différentes, les différentes profondeurs. Là, c'est vraiment vous ajoutez un mouvement et c'est pas vraiment tellement réglable. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre le focus sur un point. Si par exemple le point important c'est sur la partie gauche ici, vous pouvez choisir zoom avant euh, vers la gauche et comme ceci lorsque vous allez choisir lecture, eh bien euh, votre vidéo ira vers l'avant gauche. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran hein, ici c'est vraiment très peu significatif, mais eh bien écoutez c'est comme ça que euh, c'est prévu. Donc ce sont des petits mouvements qui vous permettront de ne pas garder votre votre montage en version statique. Ça peut être intéressant je trouve de, de l'utiliser. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. Et comme vous avez pu voir hein, c'est réglable vignette par vignette en fonction de si je sélectionne une autre vignette ici et que je choisis mouvement, eh bien je peux à nouveau si je le souhaite, euh, ajouter un zoom avant dessus. Et là, je clique sur Terminer. Je suis en train de me demander si euh, ça n'a pas réglé toutes les vignettes et si le mouvement ne se fait pas de la même façon. Non, c'est bien ça. Là, vous voyez, j'avais pris une nouvelle vignette et j'avais bien aucun mouvement qui était euh, déterminé ici. Donc, je vais par exemple choisir incliner hein, vers le bas. Je vais cliquer lecture pour voir à quoi ça ressemble. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et donc, euh, ce, que, ce que je voulais vous dire, c'est que là, lorsque vous avez cliqué sur Terminer, le mouvement a été appliqué. Et en fonction de la durée de la vignette, vous voyez l'effet ne se fait pas de la même façon. Par exemple ici ma vignette dure 1 seconde 7 et si je clique sur lecture et eh bien on va avoir je vais me remettre ici vous voyez on a un effet qui est plus important parce qu'elle ne dure qu'une seconde donc l'effet est, est beaucoup plus rapide puisque l'effet se fait sur une seconde au lieu de se faire sur plus si par exemple ici je modifie donc la durée et que je choisis par exemple 5 voilà, que je me remets au début de la vignette et que je clique sur lecture. Vous voyez, l'effet sera beaucoup plus lent puisque ça va durer sur 5 secondes. Après, si vous voulez enlever cet effet de mouvement, il vous suffit simplement de cliquer sur la vignette en question, de choisir le mouvement et de simplement choisir ici aucune et de cliquer sur terminer et comme ceci vous aurez enlevé l'effet de mouvement sur cette vignette. Alors une fois que vous avez fini de euh, sélectionner vos vignettes et de faire ce que vous souhaitiez, eh bien vous avez la possibilité ensuite de rajouter des filtres qui se trouvent ici. De la même façon, vous allez pouvoir donc sélectionner une vignette et cliquer ici sur filtre et ça va vous permettre d'ajouter des filtres euh, particuliers. Donc là on est sur la photo originale, si vous choisissez classique, ça ressemblera à ça, aventure vous pouvez choisir perles Bref vous voyez en fonction de ce que vous allez choisir ça va un peu modifier la colorimétrie de l'image en fonction de ce que vous avez choisi. Vous voyez intense ici les couleurs sont beaucoup plus on va dire contrastées euh, par rapport à l'original si je sélectionne l'original. donc vous pourrez choisir ici hein, comme vous le souhaitez si vous souhaitez avoir du noir et blanc si vous souhaitez être en joyeux bref vous avez compris le principe il vous suffit simplement de sélectionner ce que vous souhaitez après, sachez que vous pouvez revenir à tout moment sur original si vous ne souhaitez plus avoir d'effet de filtre ici sur votre photo. Et enfin, la dernière chose que nous allons voir, ce sont les effets 3D. Une fois que vous avez vu qu'on pouvait rajouter du mouvement, des filtres, il y a la possibilité de rajouter des effets 3D. Alors, les effets 3D, ce sera un petit peu à votre convenance. Euh, moi, personnellement, je ne suis pas forcément super fan, mais ça peut être amusant euh, dans certains montages si vous avez euh, des ambiances que vous avez prises en photo et que vous souhaitez rajouter un certain nombre de choses. Donc, vous trouverez ici dans Effets les différentes choses, les différents effets si vous voulez que vous allez pouvoir rajouter sur votre photo. Il y en a un certain nombre, et vous avez également euh, tout en haut dans bibliothèque 3D. Là, ce sont des bibliothèques pour rajouter des éléments 3D à votre montage, et euh, c'est classé par thème. On va d'abord commencer par les effets qui se trouvent ici. Et dans les effets, vous allez avoir par exemple la possibilité de rajouter euh, par exemple des flocons de neige. Donc, une fois que vous avez cliqué sur flocons de neige, vous voyez ça apparaît ici, et vous arrivez dans modifier qui est à gauche de effet. Là, nous étions dans effet, et si vous souhaitez modifier, vous cliquez ici sur modifier. Et lorsque vous êtes dans modifier, et bien, vous allez avoir la possibilité de choisir le temps que dure l'effet au sein de l'image. Là, je vais me remettre euh, au début de l'image. Mon image fait 7 secondes au total. Si je clique sur lecture ici, eh bien, euh, j'ai mon titre qui apparaît et normalement, vous voyez j'ai les flocons euh, qui devraient apparaître. Mais comme les flocons duraient très peu de temps, on les a très peu vus. Donc ce que vous pouvez faire c'est augmenter le temps de ceci en cliquant sur les poignées qui se trouvent à gauche et à droite ici et ensuite, eh bien, cliquer sur lecture et comme ceci, vous verrez eh bien là les flocons dureront l'intégralité de la euh, vignette. Si vous voulez que l'effet flocons dure plus longtemps, il suffit juste d'ajouter euh, du temps à la vignette. Donc là ça durait 7 secondes, je vais faire un clic droit, je vais faire durer on va faire ça durer 20 secondes pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vais revenir sur les effets 3D qui se trouvent ici. Euh, je suis bien sur modifier. Je clique sur mon flocon. Et là, donc, je vais m'assurer qu'il dure bien pendant mes 20 secondes parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure ça ne durait que 7 secondes et lui n'a pas automatiquement élargi l'effet flocon il a simplement euh, laissé les 7 secondes qui étaient disponibles donc il fallait revenir dans la modification dans les flocons pour pouvoir élargir avec les poignets le temps de tout ça et là si je reviens ici et eh bien j'ai la possibilité de cliquer sur lecture donc là j'ai à la fois mon titre à la fois les flocons qui tombent donc parfois ça peut être sympathique hein, vous voyez il y a des effets qui sont plus ou moins sympathiques là je vous montre les flocons quand même assez bien fait c'est assez amusant et euh, sachez que vous avez également la possibilité hein, lorsque vous choisissez de modifier les flocons vous avez la possibilité ici de modifier le volume si vous voulez qu'il n'y ait pas de volume sur vos flocons vous mettez simplement le volume à zéro ça vous permet comme ceci d'avoir euh, d'éviter d'avoir trop d'effets si vous avez mis une musique d'arrière plan si vous avez déjà du son sur vos vidéos si vous avez un certain nombre de choses vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser le son qui est intégré avec les effets 3D donc là, on a mis des flocons, c'était plutôt bien fait, vous pouvez régler le volume comme je vous l'ai montré. Si vous souhaitez supprimer l'effet, vous cliquez simplement sur la croix qui se trouve ici et vous n'avez plus d'effet. On reste tout le temps dans la partie modifiée. Il suffit simplement de revenir ici dans Effets, si vous voulez, et eh bien choisir un autre effet. Vous avez aussi la possibilité eh bien, de choisir d'autres effets. Hein. Par exemple, on va prendre des ballons qu'on va mettre ici. Et là, celui-ci, à la différence du précédent, vous avez la possibilité de choisir la taille et même la rotation. Donc là, l'effet ballon est ici. On va le mettre sur tout l'intégralité du clip. On va regarder à quoi ça ressemble. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Donc ça, ce sont des ballons qui s'envolent. Et si vous voulez, par exemple, et eh bien que soient sur l'écran il vous suffit simplement d'élargir l'effet pour et eh bien que vous puissiez le mettre à votre convenance ici pareil vous pouvez régler le volume si vous le souhaitez là je vais revenir au début voilà et je vais cliquer sur lecture pour qu'on voit les ballons euh, qui apparaissent sur l'écran voilà, ça peut être sympathique, un petit effet ballon si vous faites une fête, si vous avez fait un anniversaire, rajoutez ces petits effets. Donc les effets sont ici, hein, vous pouvez les découvrir, je ne vais pas tous les faire évidemment, euh, vous pouvez les découvrir à cet endroit-là. Sachez que comme je vous ai montré par rapport au ballon tout à l'heure, par exemple on va rajouter ici des chauves-souris. Les chauves-souris, on va les mettre sur toute la durée de du, du clip. On va revenir à zéro. Je vais sélectionner les chauves-souris pour pouvoir régler, parce qu'il me semble que sur les chauves-souris il y a la, la taille qui peut être réglée, mais peut-être pas. Non, effectivement, euh, il n'y a pas de taille. Donc là, c'est vraiment, euh, voilà, des chauves-souris qui arrivent sur l'écran. Je pensais qu'on avait la possibilité de les régler euh, en taille, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà, bref, je ne vais pas tout vous faire les effets, vous pourrez les découvrir ici et les modifier. Si, une dernière chose quand même pour la cascade par exemple, euh, oui, vous voyez ici, donc vous avez la possibilité de la placer, vous avez la possibilité de l'agrandir et vous avez également la possibilité de la, la retourner. Si vous préférez la retourner, vous avez cette possibilité ici euh, en la retournant. Donc nous ici, en fonction de l'angle que vous souhaitez, euh, ça apparaîtra plus ou moins bien. Donc là, vous voyez, il y a le, le la possibilité de, euh, de mettre de l'inclin si vous le souhaitez de mettre donc de les de la retourner et également de la de la faire bouger sur le côté comme les éléments sont en 3D ça vous permettra comme ceci et eh bien d'animer votre vidéo donc là si par exemple je vais réduire un petit peu la taille de la cascade pour que ça tombe dans l'eau on va mettre ça par ici voilà et là je vais mettre la cascade sur toute la durée ici je vais remettre à zéro voilà, je vais cliquer sur lecture. Et comme ceci, eh bien, vous pouvez voir que c'est assez amusant de rajouter ça sur de l'eau, par exemple. C'est assez euh, voilà, amusant, comme je vous le disais. Et là, eh bien, euh, vous n'entendrez pas le son parce que je le couperai au montage. Mais là, c'est pareil. Hein, il y avait du son avec la cascade que vous pourrez augmenter et réduire. Voilà, pour les effets 3D, pour les modifications que vous pouvez réaliser. Comme je vous le montrais aussi tout à l'heure, vous avez la bibliothèque 3D. La bibliothèque 3D, c'est des choses, c'est des éléments 3D que vous allez pouvoir rajouter sur vos montages. Donc par exemple, vous pouvez aller dans Animaux et Insectes, vous allez avoir un certain nombre de choses euh, qui sont disponibles ici dans Animaux et Insectes. Vous pouvez revenir en arrière en cliquant ici sur la flèche. Vous pouvez retrouver d'autres choses en choisissant les autres rubriques, par exemple mots et symboles, ici. Donc vous aurez euh, des différents symboles que vous pourrez rajouter euh, sur votre montage. Et je vous laisserai découvrir tout le reste. On ne va pas les faire tous. Vous avez compris le principe. Je vous montre ici le principe, et après vous vous amusez à chercher. Donc on va aller dans animaux et insectes, par exemple. On va se rajouter un poisson. Donc là, il est en train de le télécharger. Donc il faut prendre un peu son temps. Et là, à partir du moment où vous avez donc votre insecte, vous avez la possibilité de le retourner comme vous le souhaitez, euh, de l'incliner comme vous le souhaitez. Ou, eh bien, de l'incliner à votre convenance. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous choisissez toujours pareil hein, le temps qu'il apparaîtra dans votre vidéo. Donc moi ici, on va le faire démarrer un petit peu plus tard. Voilà, on va se remettre au début de la vidéo ici, et je vais cliquer sur lecture et le poisson va apparaître au bout d'un moment. Voilà. Alors, ce que vous avez également la possibilité de faire, parce que là, il est un peu statique, euh, lorsque vous l'avez sélectionné et que vous, avez, vous êtes dans les modifications ici, vous avez la possibilité ici en bas de choisir animation rapide. Donc, vous cliquez ici et vous avez, par exemple, la possibilité de choisir différentes, euh, différents éléments. Là, on va choisir plateau rotatif, et là, eh bien, le poisson va normalement tourner sur lui-même. Pareil, hein, le volume, vous pouvez le mettre à zéro si vous préférez. C'est à votre souhait. Là, je clique sur lecture et mon poisson eh bien, se met à tourner euh, comme je lui ai demandé dans plateau rotatif pendant toute la durée eh bien, des 20 secondes qui sont là. Voilà, ça vous permet comme ceci eh bien, de voir les différentes choses. Vous avez d'autres possibilités si vous le souhaitez, mais en fonction de ce que vous aurez choisi, évidemment, il ne fera pas la même chose. Voilà un poisson balancier bref vous avez vu que vous aviez énormément de choses si vous retournez dans élément 3d vous avez un tyran un vé vélociraptor, euh, pareil que vous allez pouvoir placer on va le placer ici sur la plage vite fait euh, pour voir un petit peu comment ça se passe alors l'inconvénient c'est qu'on peut pas vraiment les faire bouger il hein. n'y a, y a pas vraiment de il a pas vraiment de, de possibilité de les faire bouger à part par cette, cette ces différentes choses mais là ce sera ce sera pas vraiment euh, comment dire. Ça ne sera pas très concluant. Vous ne pouvez pas les faire passer d'un endroit de l'écran à un autre. Quoi. Là, par exemple, j'ai choisi ça. Euh, ça va juste le faire sauter. C'est pas forcément incroyablement euh, amusant. Mais vous aurez la possibilité eh bien, de découvrir les différentes choses comme vous le souhaitez. Vous avez compris désormais le principe. Vous choisissez soit dans les effets, soit dans la bibliothèque 3D. Une fois que vous avez sélectionné, eh bien, vous pouvez ensuite faire les modifications dans Modifier ici. Et comme ceci, une fois que vous avez terminé de faire ce que vous souhaitiez, vous cliquez sur Terminer ici en bas à droite, ce qui vous permet eh d'ajouter les différents effets à votre montage. Normalement, vous avez tous les éléments pour réaliser un bon montage. Il ne nous restera plus qu'à voir comment on fait pour rendre la vidéo, ensuite comment la partager, et ensuite on verra les derniers trucs et astuces que je voulais vous donner par rapport à votre montage vidéo. Voilà, si vous êtes arrivé ici sur cette vidéo, parlez dons. Merci beaucoup une fois de plus pour votre don. C'est grâce à vous eh bien, que le gratuit peut continuer. Donc merci beaucoup. Et puis si vous n'arrivez pas par la rubrique des dons que vous avez vu la vidéo sur YouTube, vous trouverez en cliquant sur le bouton plus la possibilité, si vous le souhaitez, eh bien, de me soutenir par l'intermédiaire des dons. Ça se trouve dans la rubrique des liens. Vous cliquez sur le bouton plus qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez être redirigé dans la description. Et dans les liens de la vidéo, vous trouverez les différents liens de cette vidéo notamment la possibilité de venir sur le site formationinformatique.fr pour découvrir dans la rubrique formation plus de 800 vidéos gratuites, qui est inclus avec celle, celle que vous êtes en train de regarder, et également dans la rubrique des dons, vous pourrez me soutenir si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.